Nous vous remercions infiniment d'avoir été aussi patient et d'avoir répondu à notre invitation. Comme vous vous rendez compte, nous étions censés occuper une salle de spectacle où nous vous aurions présenté notre conférence de presse dans des conditions décentes. Cette salle a été dûment réservée, nous en avons payé les frais. Et les prix ont même été modifiés à la hausse, mais en dépit de cela, une instruction venue, donc c'est quelle autorité nous empêche de nous réunir et de vous parler. Mais qu'en est-il en réalité? Vous vous rappelez récemment, notamment l'ambassade des États-Unis d'Amérique a rendu public un communiqué appelant au traitement équitable de tous les candidats, et surtout assurant qu'il y aurait des sanctions pour toutes les personnes et les autorités qui créeraient des entraves à la liberté de mouvement, à la liberté d'expression, à l'accès à l'information ou à l'accès au public pour mener de manière équitable et à égalité la campagne. Ceci en est la preuve flagrante et vous comme nous en sommes témoins et victimes que nous venons d'être expulsés d'une salle parce que nous devrions nous adresser à la presse. Mais aujourd'hui, de quoi nous aurions voulu vous entretenir? Et nous serons à votre disposition pour des entretiens bilatéraux ou dans un cadre différent. C'est justement cette situation. Depuis plusieurs jours, notre parti, Ensemble pour la République, a affrété un avion qui traîne encore en Afrique du Sud et qui aurait dû compléter la flotte aérienne et la campagne de notre candidat Moïse Katumbi-Tchapo. Et pour des raisons que nous ignorons jusqu'à ces jours, après des lettres de relance auprès de l'autorité de l'aviation civile, qui en général est composée des professionnels dont nous saluons plutôt les députés, mais nous remarquons en réalité que ce sont des considérations politiciennes qui bloquent l'attribution de cette autorisation. Et particulièrement l'Agence nationale des renseignements qui est toujours derrière les derniers feux verts à accorder aux avions affrétés qui doivent survoler les territoires nationaux. Donc si nous en sommes à des considérations politiciennes, alors qu'il s'agit de la navigation aérienne et de la libre circulation des candidats, cette situation devient dangereuse et inquiétante. D'abord pour l'égalité de tous les candidats pendant la campagne, mais aussi quand même pour notre propre sécurité aérienne. Si nos services de renseignement s'immiscent et peuvent à tout moment, pour des considérations arbitraires et inutiles, empêcher que nous puissions avoir un avion pour lequel nous assurons beaucoup de dépenses et qui est maintenu encore jusqu'aujourd'hui en Afrique du Sud, pour des raisons qui ne sont pas données, alors là, on ne s'étonne pas que nous ne soyons pas très bien cotés au niveau de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, parce qu'il y a des émissions inutiles dans des considérations qui sont uniquement techniques.